Salut à tous, c'est Linux Player et bienvenue dans ce nouveau gameplay sur Inscription. Aujourd'hui, une run random. Je veux pas que ce soit trop compliqué non plus. Et puis on va mettre le pirate, parce qu'on l'a pas encore eu. Et voilà, des totems partout. Pour que ce soit un peu compliqué. Normalement, c'est un jeu où c'est basé sur la luck. Voilà, c'est un deck de départ pas trop mal. J'avais déjà fait des runs dessus, mais c'est parti quoi. Pouvoir de lapin, oui. Je pense prendre l'amande du coup. Le miroir, c'est de la merde. Prendre le chat. J'espère que votre première avril s'est bien passée, que vous êtes bien amusé. Le chat sur le raton laveur. Et l'amande, on la garde telle qu'elle pour l'instant. Parce qu'elle est pas mal. Voilà. Maintenant, on a une unité qui va nous permettre d'invoquer toutes les autres. Il va falloir aussi qu'on se débarrasse rapidement du coyote, vu qu'on n'a pas les os pour l'invoquer, c'est dommage de l'avoir dans le deck. Là on a de la chance, on n'est pas tombé dessus pour l'instant. En ayant raton laveur et menthe, je peux me permettre d'invoquer directement le petit loup blanc. Mais je veux pas le faire maintenant. Je préfère garder la menthe sur le terrain. Merde. Bon bah j'ai pas pu faire de dégâts supplémentaires mais c'est pas grave. Je propose qu'on aille chercher les flammes assez vite. Ça peut nous donner des unités très mauvaises comme très bonnes. Quand on prend les unités avec les os, on espère avoir un cafard par exemple. Bah c'est génial. Du coup ça veut dire qu'on pourra rendre une unité immortelle. J'ai pas encore décidé de laquelle donc c'est pas trop grave pour l'instant. Moi ce que j'aime bien avec le feu, c'est toujours tenter de faire l'amélioration maximale. Donc petit duo géant, bah c'est vu et revu. Il y a moyen de s'en sortir sans. Mais je veux brûler le coyote d'abord et s'il survit, bah c'est un 4-1, c'est très intéressant à garder. Ouais bon bah ça, on va avoir du mal à se décider de s'en débarrasser de ça. Ok. J'aurais peut-être pu buff la menthe. Mais c'est pas trop grave pour l'instant. Donc on va utiliser mon super pouvoir. Et là j'ai 3 os. Et par précaution, je vais. Je vais faire ça. Bon, maintenant je peux invoquer mon coyote, lui faire tous les dégâts qui et faire tous les dégâts qui mérite à l'échi. L'échi mes boules. Je veux bien une nouvelle carte. Pour l'instant, j'ai rien d'intéressant sur quoi mettre une invincibilité, donc faut que je trouve quelque chose. Un lézard, des lapins. Porc épic. C'est une bonne carte en général. Mais tiens. J'ai des loups. J'aime bien les loups. Si on peut avoir un totem pour les loups. Et bah vu qu'il a ce symbole, excavation, il va aller suicider contre ma menthe. Donc j'ai hâte qu'il le fasse. Ça va grandement m'aider. Ça va pas vraiment m'aider. Je propose de mettre le porc épic ici. Comme ça, lui faire quelques dégâts supplémentaires. Et tuer son coyote dès qu'il va arriver. Je suis face à mon cafard. Que je peux pas invoquer pour l'instant. C'est pas trop grave. Étant donné que ma menthe fait pas beaucoup de dégâts, c'est pas si intéressant de la garder. En revanche, ce cafard, aller éliminer ce lapin et ensuite faire des dégâts à l'échi. Ça m'intéresse. Grandement. Je prends les armes. Non, je veux des dents. Je vais aller me chercher des items. Ça peut nous sauver les items. Une taupe, c'est de la merde.
Ah, une chèvre noire, ça c'est bien. Un rocher, ça peut sauver. Ce que je propose, c'est de mettre le porc épique sur la taupe. Comme ça, la taupe, quand elle défend, elle tue également. Le raton laveur. Et la taupe. Quand le louveteau ira attaquer, il n'attaquera pas. Bien, je vais invoquer le cafard. L'amande va pouvoir faire des dégâts importants aux chiens de chasse, puisqu'il est en mode défensif et il ne la tuera pas puisqu'il fait des dégâts bifurqués. Donc c'est une carte très intéressante. Là, je peux mettre en place mon petit du loup géant. Et un cafard. Voilà. Pour l'instant, c'est pas trop compliqué. Le rocher, je voudrais bien voir autre chose bientôt. Peut-être que ça aurait été plus intéressant d'avoir le symbole de la taupe sur le porc épique. Je pourrais avoir un nouveau chat, mais c'est de la merde. Je pourrais avoir un castor sur lequel mettre immortalité, ce qui me rendrait des... Bon, on va jouer castor. J'ai pas l'habitude de jouer cette carte. Donc voilà, ça peut être pas mal. Ensuite, on va pouvoir le suicider. Il me faut absolument une bonne carte, donc on va essayer de gagner cet event. Et le meilleur moyen, c'est les symboles. Ouais, c'est bien. Oui, c'est une bonne carte. C'est la seule. Je peux même chercher un meilleur item. Je peux aller sur le chemin de la copie. On va voir qu'est-ce qu'on va bien pouvoir copier. Donc, d'après mes propres conseils, je suis conseillé, il faut copier une carte qui n'a pas un dégât parce qu'il émet souvent un zéro dégât. Même si des symboles peuvent être intéressants. Donc je vais copier celle-là, je pense. Pas moyen qu'il me rende pire. Pourquoi je parle, moi? On va aller susciter... Non, je déconne. C'est juste le symbole des abeilles m'intéresse plus. Oh. Mais c'est de la merde! Si, en fait, ça peut se mettre à l'abri. Ah non, il peut pas se mettre à l'abri. Il ne sera à l'abri nulle part. Autant protéger un maximum. Sa mère. Le barrage est le symbole. Mais comment je pouvais le savoir? Non, c'est mort. On est dans la merde. Dans la mouise. Cette carte m'a tué. Heureusement, on a deux vies. Quelle bonne carte tu vas pouvoir nous donner.
carte avec du gros dégâts. Ouais. Ça nous a tués. Tu peux pas faire un barrage et ensuite laisser ce barrage décider où tu te places. Enfin, c'est interdit. 3 dégâts. On invoquera ensuite notre super taureau. Qui va contrebalancer les dégâts du. De l'immortel élan. Qui nous laisse un chemin vers les dégâts. Et là on fait 5 dégâts. On passe au suivant. C'est important d'avoir des cartes à gros dégâts qu'on peut invoquer, évidemment. Les chèvres noires. On veut peut-être rendre la chèvre noire immortelle. Ah, des symboles. Des symboles nuls. Le meilleur totem serait pas de refus. Même si les flammes attirent beaucoup. Toi, taupe. Sauve-nous, taupe. Vas-y, en avant Coyote. En sachant que le Coyote est ma carte la plus puissante, peut-être que c'est sur lui que je devrais transférer l'attaque bifurquée. Même si au départ ça partait sur une volonté de le tuer. Ça m'embête beaucoup de devoir me reposer sur une carte à os. On va voir ce qu'on peut obtenir ici. Rien du tout. Double attaque. Mais oui, ça je dis oui. Le gros problème du coyote, ça reste que c'est de la merde. Voilà, ça va nous créer des barrages qui vont évoluer et attaquer ensuite. Aussi stupide que ça puisse paraître. On va mettre en place cette stratégie. Je suis très intéressé par l'idée d'invoquer un taureau sauvage. Et de me libérer un passage ensuite. Oh merde. Bon, ça va, il me fait que 2 dégâts. Bah c'est mort. Voilà, on aura mal joué. Ouais, je suis sûr qu'il y avait moyen de s'en sortir quand même là-dessus. On va tenter quand même. De s'en sortir. Ouais, j'aurais dû partir pour les items. Mais ce totem, il est diabolique. Déjà que c'est pas un boss facile. Non, je déconne. On a juste mal joué. Aïe 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 aïe. Il
vais demander au taureau sauvage de tanker pour nous. Je vais demander au cafard de me protéger. Non. Non, c'était bien ce qu'on avait fait tout à l'heure. Alors je fais 3 dégâts directs. Moi je propose qu'on lui fasse 3 dégâts directs. Bonjour, je suis les dégâts. Ça nous permet de gagner un peu de temps aussi. Voilà. Ça, c'était la bonne idée, ça. Il y avait moyen de s'en sortir avec ça. Libère le passage vers ma victoire. Ceci également. Ah, mon super coyote. Donne-moi les dégâts que je mérite. Voilà. Du premier coup. C'est faux. C'est totalement faux. Un autre tour. Pour lui mettre des symboles intéressants. Je peux essayer de copier un taureau, mais ça n'a rien d'intéressant. Bah, je vais plutôt me chercher une meilleure carte. Pour l'instant, mes cartes sont un peu nulles à chier. Preuve en est. On a 3 cartes au hasard, ça ne fait pas 4 dégâts. Ça c'est très bien. Ça. C'est mieux. C'était la seule solution. J'aurais pu faire des dégâts extra. Non, j'ai de la chance d'avoir le taureau dans mon deck. C'est une bonne carte. Une bonne carte qui mériterait peut-être... Ouais. Une attaque bifurquée. Attaque bifurquée sur le taureau sauvage. Ça me fait une carte qui peut terminer mon adversaire du premier coup. Forcément, je vais pas l'avoir en début de game. C'est un problème. Mais ça va, après je pourrais jouer mon coyote. Et ouais mon gars,
La double attaque, c'est ultra puissant. Non, franchement, mon totem, il me sauve. Et j'ai déjà des items. Et bah, je vais rendre mon coyote immortel. Comme ça, il m'assure 8 dégâts. Et sans mourir. Bah, nique ta mère, en fait. Je veux bien une carte qui puisse survivre. Combien d'attaques j'arrête? 2, 3, 4, 5. J'en fais 3. 5 moins 3. 2. Et il m'en fera. Okay. Ça ira. Ah non. J'ai mal calculé. Oh sa mère! Non, ça me sauvera pas. Hein. C'est la merde. Une meilleure carte, s'il vous plaît. Symbole. Ok, c'est bon. Ça du coup. Et qu'allons-nous brûler aujourd'hui? Le taureau sauvage normal. Tu nous as condamné trop de fois. Putain! J'ai rien brûlé aujourd'hui. Oh, j'aurais dû prendre les os. Oh, sa mère. Oh, y. Le deck Xenia est vraiment plus puissant. D'une certaine façon. On va pas se mentir. On va chercher les dégâts. C'est beaucoup plus pratique quand on peut l'invoquer. Ouais. 8 dégâts. Ah, les combats normaux sont beaucoup plus effrayants que les combats de boss. D'une certaine façon. Bah ouais, tortue de boue. On veut quelques dégâts quand même. Qu'est-ce qui mériterait une immortalité ici? Chèvre noire? Je veux dire chèvre noire. Ouais. Ça nous permet de mériter des os pour notre coyote. Notre coyote qui doit nous sauver. Il doit le faire. C'est obligatoire. D'autant plus qu'il peut faire une double attaque sur les taupes. C'était bien la peine de s'embêter. J'aimerais qu'on passe rapidement à la phase suivante, si ça vous dérange pas. Voilà, normalement, il devrait pas tirer. Parce que
c'est un passage à la phase suivante. Bon, bah on a un combo gagnant. Je me remercie d'avoir joué. Je suis extrêmement flatté de ma puissance. Et bien sûr, cet objet, la peau de peinture, va permettre aux coyotes de passer au-dessus du bateau et de faire tous les dégâts nécessaires pour que les chiens. Voilà, bah c'était la run du 2 avril. J'espère que ça vous a plu. Je vais partir en faire une juste après. Parce que j'ai pas été trop satisfait de celle-là. J'espérais pouvoir faire des combos un peu meilleurs. Enfin, des cartes un peu plus puissantes, comme par exemple Lézard Immortel. Ça, je trouve que c'est une carte vraiment, vraiment géniale. Et ça fait partie de mes combos préférés dans le jeu, donc voilà. On va voir. Il y a quelques runs que je voudrais faire aussi. C'est des défis que j'avais proposés à Kailoa. Donc c'est un petit youtubeur, je vous mettrai sa chaîne dans la description. Il a fait plein de runs inscription. Et je regarde ça avant de m'endormir, je trouve que c'est vraiment très détente. Malgré le fait que certains pensent que le jeu est stressant, bah il est stressant plus à jouer qu'à regarder. C'était tout ce que j'avais à dire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve à bientôt dans une prochaine. C'était Linux Player, salut.